Tiens, je te présente Ophélia. Ophélia? Oui, notre fille. Comment tu as grandi? Papa. Tu as genre ce même sourire d'enfance. Oui. Eh oui. Ophélia, on va te raconter une légende. Car tu es l'élu. L'élu de quoi? L'élu. Car tu es la personne qui est destinée à avancer dans cette porte. Avance, avance. La porte s'ouvrira toujours pour toi. Ne t'inquiète pas. Mais maman, c'est quoi cette légende? Avance seulement, s'il te plaît. D'accord. Juste avance encore un petit peu. C'est correct? Oui. C'est correct, ma chérie. Maintenant, au revoir. Attends, quoi, comment ça, au revoir? Non! Non, c'était pas ça. Non, ferme-toi pas. Au revoir. Et c'était si qu'Ophélia ne fut enfermée. Comment est-ce qu'elle m'a fait ça? Pourquoi? Elle dit que j'étais libre. Peut-être que c'est pour ça qu'elle a fait. Bon, elle dit qu'il faut avancer. Heureusement qu'il y a de la lumière. C'est quoi ce truc? Pourquoi ça dans ma chair de poule? Bonjour. Bonjour. Qui es-tu? Je m'appelle Astranova. Je t'attendais. Comment ça tu m'attendais? Tu es l'élu. Libère-moi. Et je réaliserai. Mais s'il te plaît, libère-moi. Mais comment je fais? Trouve une manière. Cet endroit, c'est une prison pour moi. Non, je ne sais pas comment faire. Mais on peut pas sentir que je trouve. Pour pas sentir, il faut que je chante. Chanter, mais oui. Je vais chanter en réfléchissant. Une épaisse en ce jour, sans que s'ouvre ton cœur. Si tu as les meilleures, elles peuvent toujours. À chaque heure, chaque seconde, nous allons changer le monde. On fait bouger les choses, on s'amuse. Hein. Tu sais, penser qu'aujourd'hui, cette amitié nous unit. Aucune main est plus qu'hier. Tu peux arrêter maintenant. Hein? Quoi? Ouais, je suis libérée. Merci beaucoup. Mais de rien. Tu peux venir me voir quand tu m'appelles et je... Regarde. Pour m'appeler, tu dis Astranova, mais doucement, pour pas que tout le monde t'entende. Tu dis Astranova. Désolée si vous avez entendu une porte. Tu appelles Astranova, mais doucement. Et j'arrive et je réalise un vœu. Et tu m'appelles quand tu veux. D'accord. Maintenant, je veux un vœu. Quoi? Je veux retourner chez moi. D'accord. Bien. Bien. On va aller se téléporter. Ah ah! Thank you.
quoi ça? On est arrivé. Ma petite fille était alors vraiment laide. Enfin, c'est sûr en tout cas. Maman, je suis de retour. Mais pourquoi m'as-tu enfermée? Pour que tu accomplisses ton destin, ma petite. Mais je t'aime, ne t'inquiète pas. C'est pas pour t'enfermer. Maman. Alors, vous deux, vous avez été prisonniers. Et quand vous avez été prisonniers de la porte de nulle part, vous êtes évanouis. Bon, oublions cette histoire et commençons un nouveau chapitre. Au revoir, les ghouls. Mais de qui tu parles? Oh, ça n'a pas d'importance. Au revoir.